Eh bien salut à tous et à toutes, c'est PC Tutorial et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à améliorer votre connexion internet sous Windows 7 et Windows 8 en utilisant le Regedit. Alors, le Regedit c'est l'endroit dans lequel vous pourrez éditer des registres. Alors pour aller dans le Regedit, vous faites Regedit dans votre recherche Windows, tout simple. Vous pouvez l'exécuter en tant qu'administrateur, je pense que ça aide un petit peu. Donc voilà. Donc vous allez aller dans Système, Contrôle 7001, Service. Une fois allé dans Service, vous allez vous diriger vers TCPIP et Parameters. Une fois dans Paramètres, il va falloir que vous regardiez votre système d'exploitation. Donc en faisant clic droit sur votre bureau propriété, vous verrez votre version de Windows si elle est en 32 bits ou en 64 bits. Si vous êtes en 32 bits, vous allez faire Nouveau fichier DWorld 32 bits. Et si vous êtes en 64 bits, QWorld 64 bits. Donc moi je clique sur QWorld. Ensuite, dans la description, vous allez avoir ces deux petites phrases, donc vous allez copier la première pour le nom de la valeur. Donc on va renommer, hop, entrée, ensuite on met 1 en valeur hexadécimale. Ensuite on en fait un nouveau, 64 bits, on copie ceci. Et dedans on met donc 64240 en décimal. Hop. Et on fait OK. Et donc voilà, on a nos trucs, donc on peut redémarrer son ordinateur et constater donc normalement une petite amélioration. Donc on se retrouve pour la seconde partie du tutoriel. Vous allez dans panneau de configuration, réseau et internet, afficher le centre de réseau et de partage, cliquez sur votre connexion, propriété, paramètres IPv4, et vous allez utiliser les paramètres DNS suivants, donc 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4 et 4. Donc voilà, je suis juste allé vérifier que tout ça était vrai. Alors maintenant on clique sur OK, on peut fermer. Et donc voilà, normalement votre connexion est un petit peu améliorée. Sachez que ça ne fait pas des miracles.